Alors Audrey, est-ce que tu peux expliquer un petit peu l'histoire de la roche de Solutré? Ah, c'est mon fief ici, hein. C'est ton Donc, fief? ouais, bah ouais, j'ai grandi à côté, à Mâcon, donc Solutré, c'est quelque chose que tous les enfants ici ne le loupent pas. Ouais. Donc la roche de Solutré est un sommet qui culmine à 493 mètres, C'est pas donc moi qu'il faut le dire, hein, c'est à eux. c'est situé donc à 8 km de Mâcon. Ouais. On a aussi la roche de Vergisson, juste à côté, qui Et est... qu'est-ce que c'est ce site? C'est un site, alors déjà c'est Préhistorique, un c'est un site site à préhistorique. découvrir. Ouais, c'est Ouais. un site à voir, il est classé. Donc il y a une légende qui est sur ce site, comme quoi les hommes préhistoriques à l'époque faisaient monter les chevaux en haut de la roche et les faisaient tomber en bas de la roche. Donc voilà, pour pouvoir les récupérer, pour pouvoir se nourrir après. Donc ça, Ouais. c'est vraiment une légende, ça a été tiré d'un roman. Ouais. Voilà, la roche de Solutré, elle est comment dire, toujours en fouille actuelle, Ouais, c'est un des plus grands sites site archéologiques archéologique de France, hein. de préhistoire, voilà. Voilà, donc il y a encore plein d'endroits inexplorés, hein. Carrément, Voilà, donc ils ont retrouvé beaucoup, beaucoup d'ossements, beaucoup d'ossements, de... ouais, d'ossements d'animaux et Ouais. d'ossements humains, à peu près 70 ossements humains. Ouais. Sur ce site, pardon, vous allez voir aussi qu'il y a un petit musée. Malheureusement, là, avec la période Covid, il est fermé, mais dedans, vous pouvez y voir des fresques préhistoriques, des ossements. Ça raconte aussi un petit peu ce qu'il y a autour de Solutré. On dit plus Solutréen. Ouais. Ça a été aussi la roche de Solutré a été mise en valeur à partir de 1980 grâce à François Mitterrand. Ouais, qui faisait son Sa pèlerinage montagne, annuel. voilà, il faisait son pèlerinage annuel sur la roche de Solutré. Voilà, Voilà. et à cette il me semble, à Pâques, il me semble Oui, que voilà, c'était pour chaque la période année, de Pâques, pour la Monsieur François période de Mitterrand Pâques, montait. le dimanche en famille, donc Ouais. il montait cette. Il faisait l'ascension chaque dimanche en Il famille. avait Et il y avait toute l'armada de journalistes avec lui, bien bien sûr. entendu, pour couvrir cette montée. Oui. Cette montée, elle fait 1,6 km. Elle est relativement accessible, que ce soit. Voilà, alors ça monte un petit peu, il y a un petit peu Elle de est dénivelé. accessible, oui, mais pas pour les PMR. Faut bien le. Oui, Voilà. voilà, on est bien d'accord. Alors après, voilà, pour les enfants, pour les choses comme ça, les personnes un petit peu plus âgées, ça se monte tranquillement, il suffit de s'arrêter, mais voilà, Voilà. ça Il y se a fait une heure et quart, tranquille. une heure et quart de montée. Ouais. Voilà. Ouais. Ok. Ouais, Mais ouais, franchement, c'est un site à voir, à découvrir. ouais. De Vous pouvez pique-niquer en haut de la roche. J'espère toute que façon, les images de drone voilà, vous seront. allez voir les images de drone, les plans, voilà, c'est superbe. Et puis en plus, on a une très belle journée. On commence à rentrer dans, voilà, dans le printemps, le réel printemps ce coup-ci, hein. Ouais. Donc voilà, on a encore un petit peu l'écharpe parce que ça souffle un petit peu, mais Oui. c'est vraiment sympa cette période, hein. Oui, c'est très très sympa. C'est surtout que ben voilà, c'est une balade familiale à faire. Ouais, tout à fait. Donc n'hésitez pas, venez voir, venez découvrir, et puis on continue la balade. I had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks. And I feel misplaced without you. Why don't we go back to? Why don't we go back to? Never wanted to end it like we did. I guess shit happens for a reason. But it's like something feels different from back then. Why don't we go? Why don't we go back to? Honestly, I'm open wide. I don't feel like waking up without you by my side. I still see your silhouette. Why don't we go back to? Why don't we go back to your bedroom? Why don't we go
aurait des choses à dire pour le coin de neuf. Pour le coin de neuf ? Ouais. C'est quoi le coin de neuf ? Bah, à l'école, c'est... Raconter ton week-end à l'école ? Oui. Effectivement, t'auras matière à discuter. Moi, c'est vrai que c'est sûr, c'est une matière à discuter, de découvrir la roche de Solutré. Pour raconter l'histoire. Qu'est-ce que tu penses de la roche de Solutré, Maëlle ? C'est une roche préhistorique. Ouais. C'est magnifique. Pourquoi c'est magnifique ? Parce que c'est un endroit naturel et ça recouvre encore de mystères. Ouais, il y a du mystère encore, ouais. T'aurais peut-être aimé voir le musée, c'est ça ? Oui, peut-être pour voir... Comment c'était ? Dans le musée, moi je peux te dire un petit peu ce qu'il y a. Il y a des silex. Tu sais ce que c'est, des silex ? Oui, on a appris à l'école. Ouais, et c'est quoi ? C'est une pierre qui est utilisée des hommes préhistoriques pour, par exemple, faire du feu ou alors faire des lances. Fin... Une arme. Voilà. Une arme tranchante. Il l'égalisait et il la mettait en pointe pour les pour l'arme. Ensuite... Pour les flèches aussi. Ouais. Ils prenaient un bout de silex, ils attachaient un bâton avec du fil. Fil, il n'y en avait pas à l'époque. Oui, mais c'était du... C'est une sorte de liane. Oui, voilà. Ouais. Et ça faisait une flèche pour tirer à l'arc. D'accord. Donc, à défaut d'avoir vu Cluny, on vous emmène... Alors, ça s'appelle comment ? Briançon. Non, Brançon. À ne pas confondre avec Briançon. Waouh, c'est magnifique. Oh, j'aimerais trop habiter là.